psaume 52 au chef des chantres, cantique de David, à l'occasion du rapport que Doeg l'Édomite vint faire à Saül en lui disant « David s'est rendu dans la maison d'Achimélec. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran ? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que malice, comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Aussi Dieu t'abattra pour toujours, il te saisira et t'enlèvera de ta tente, il te déracinera de la terre des vivants. Les justes le verront et auront de la crainte, et ils feront de lui le sujet de leur moquerie. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice. Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Je te louerai toujours parce que tu as agi. Et je veux espérer en ton nom parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles. »